Bonjour à vous. Ici David, donc de la librairie de la Liberté. C'est la première fois que vous me voyez, peut-être pas la dernière. Dans le cadre du Festival de cinéma de la Ville de Québec, la librairie a décidé de suggérer quelques livres liés de près ou de loin au cinéma. Donc, j'ai inauguré le bal en vous parlant tout d'abord de Bernard Raymond, donc un cinéaste bien connu et fort apprécié de moi-même du cinéma québécois. Bernard Raymond, lorsqu'il parle du cinéma, il cite souvent Pierre Paolo Pasolini, peut-être que vous l'avez déjà entendu à ce sujet-là, il cite souvent les écrits corsaires dans lesquels Pasolini parle de nombreux sujets, aussi de la culture paysanne, qui est un sujet qui touche beaucoup déjà Bernard Raymond. On peut voir ça à travers ses films, donc la culture d'avant, les paroisses et tout. Pasolini, dans l'Italie fasciste et post-fasciste, observait des changements assez drastiques de ce point de vue, où la culture paysanne était à son grand âme, en train de disparaître, donc reculer toujours dans les périphéries pour faire place à la grande industrie et à l'industrialisation des architectures et tout ça. Au travers de toute son œuvre, Pasolini problématise tous les enjeux que ça soulève, en fait. Donc, Piero Spilla, pour les nouveaux spectateurs, a décidé de faire un guide des films de Pasolini, donc guide critique pour les nouveaux spectateurs. Et dans ce livre-là, que j'ai fort apprécié, puisque j'étais moi-même un nouveau spectateur, il revient sur chacun de ses films en les mettant en contexte, qui est fort intéressant, fort important, je dirais, pour Pasolini, parce qu'il était extrêmement engagé dans les enjeux précis de son époque. Il était également un intellectuel, donc il s'abreuvait de multiples sources. Le marxisme réinterprété par Gramsci, la psychanalyse, le christianisme qui aborde dans plusieurs de ses films. Donc ça crée cette convergence-là de plusieurs influences, crée une pensée fortement originale et qui n'est pas toujours évidente à saisir. Donc c'est pour ça que le guide de Piero Spilla est fort bien accueilli. Et je vous dirais que bon, les films qu'il a réalisés entre les années 60 et 70 sont encore vraiment d'actualité, et même au Québec, je vous dirais, puisque, comme Bernard Raymond l'expose d'ailleurs, les problématiques liées à notre passé et à certaines valeurs qui semblent de plus en plus reléguées aux oubliettes, est toujours d'actualité. J'espère que vous allez aimer votre lecture et que vous allez apprécier également votre visionnement des films de Pasolini. Je vous remercie. Bonjour, Annabelle, pour vous servir encore une fois. Cette fois-ci, je vous parle de littérature, de romans adultes, ce qui fait différent de l'habitude où je vous parle de jeunesse. Donc, cette fois-ci, je vais vous parler d'un livre qui a inspiré un film que j'adore particulièrement. C'est Battle Royale. Battle Royale, c'est un livre à la base qui est japonais. L'histoire se passe également au Japon, le film également. Et ça l'a un peu inspiré, si je puis dire, Hunger Games, puisque c'est un scénario qui ressemble beaucoup. Sauf que celui-ci, contrairement à Hunger Games, qui est beaucoup pour le jeunesse adolescent, Battle Royale, lui, est vraiment adulte, puisque c'est un peu plus gore, un peu plus sombre, et qu'il y a un côté assez différent, là, vous allez voir. Donc, dans Battle Royale, c'est un jeu télévisé, comme Hunger Games également, sauf que les gens du public ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est des jeunes d'une école, d'une classe spécifiquement, qui est choisie au hasard au trop grand nombre de populations au Japon, qui est envoyée sur une île. Et les gens du public voient seulement le vainqueur, la personne qui revient de l'île, et ne voit pas vraiment ce qui se passe là-bas. Donc, c'est sûr qu'il faut également qu'il y ait un vainqueur dans le Battle Royale. Et les règles sont différentes aussi. Ils vont commencer souvent la partie avec des sacs mystères. Donc, chaque élève est invité à prendre un sac une fois que son nom est nommé. C'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il va prendre le sac, il va partir sur l'île. Et à partir de là, il va devoir survivre avec ce qu'il y a dans le sac. Et il y a beaucoup de suicides de jeunes qui ne veulent pas participer. C'est aussi des enfants qui,
on voit justement avec des adolescents qu'on voit justement qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas vécues. Il y a des côtés sombres qui ressortent beaucoup chez certains personnages, des côtés héroïques chez d'autres, beaucoup de confrontations aussi amoureuses à travers de cela, mais c'est vraiment pas axé sur l'amour, c'est vraiment axé sur la survie. C'est vraiment un trailer que vous allez avoir le souffle coupé. Donc ça c'est le livre et le film, je vous conseille fortement si jamais vous l'écoutez, de l'écouter en VO, c'est-à-dire en voix originale, sous-titré parce que l'ambiance n'est pas du tout la même, les personnages n'ont pas du tout la même intensité non plus. C'est un vieux film, c'est un livre qui est beaucoup moins récent que Battle Royale, que Hunger Games aussi. Hunger Games évidemment va avoir des effets spéciaux qui sont plus poussés puisque c'est beaucoup plus récent et que c'est une production américaine avec le budget qui va par conséquence. Mais celui-ci, même si le film est beaucoup plus vieux, que la qualité d'image est moindre, les effets spéciaux sont moins, je trouve que ça a vraiment sa place puisque c'est vraiment destiné aux adultes, je vous rappelle encore. Et un petit détail vraiment illicite au niveau de Battle Royale, sachez que le film ainsi que le livre étaient interdits au Canada dû au fait que c'est une philosophie qui amène des jeunes qui vont assassiner d'autres jeunes pour survivre. Par contre, dès que que Hunger Games ait été accepté au Canada et a été une production américaine, donc ça a été très populaire, ils n'ont pas pu continuer à interdire le film dans notre pays. Donc on a reçu Battle Royale plutôt tard dû à sa production. Par contre, c'est quelque chose qui vaut vraiment le détour. Ensuite, un film qui est sorti quand même un peu plus récemment, c'est Danish Girl, qui vient de ce livre magnifique. Le scénario n'est pas tout à fait le même au niveau de l'histoire du film et du contenu du livre. Donc, en gros, Danish Girl, c'est l'histoire du premier transgenre connu dans l'histoire. C'est sûr que ça lui prenait beaucoup de courage parce que c'était la première fois qu'on faisait une opération pour un changement de sexe. Donc, c'est un transsexuel également. Et c'est un homme qui se plaisait beaucoup. Lui, il était un peintre et sa femme également. Il va être invité à être un modèle de vêtements féminins pour qu'elle puisse peindre puisque son modèle habituel féminin est absent. Donc à ce moment-là, il va découvrir qu'il aime les habits féminins, il va découvrir une personnalité de lui qui ne se doutait pas. Et c'est un homme à la base qui est très très délicat. Donc il va se sentir mal dans son corps, il va se rendre compte qu'il a toujours été mal dans son corps, qu'il n'était pas né dans le bon corps. La différence avec le film, dans le film, sa femme n'est pas vraiment d'accord avec ce changement-là. Elle a l'impression de perdre son mari, alors que dans le livre, elle est totalement, ça ne lui dérange pas. C'est une femme qui se dit bisexuelle ou queer, comme la nouvelle expression veut l'entendre. Donc, elle veut vraiment l'accompagner d'une manière différente qu'on voit au cinéma, sur le grand écran, évidemment. Mais c'est un film qui se passe, qui est un peu vintage, qui est très intéressant dans un univers moi, que je trouve assez coloré, assez feutré. Et franchement, voir comment les gens vont réagir, voir le courage que ça a dû prendre, c'est une source d'inspiration. Pas seulement pour les gens transsexuels, mais pour tout type de personnes. Je pense que oser dans la vie, être soi-même, puis travailler fort, puis oser des choses qui n'ont jamais été faites, c'est quelque chose que le personnage de ce livre réussi à accomplir. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne lecture, de très bons films. Je vous conseille évidemment de lire toujours les livres avant le film parce que c'est sûr que vous avez toujours du contenu qui n'aura pas au grand écran. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir et je vous dis à la prochaine pour sûrement du jeunesse cette fois-ci. Ouais. Bonjour, Jérôme, qui est pour cette capsule sur le cinéma. On va vous parler d'un livre qui porte sur le cinéma de genre et cette fois-ci sur le cinéma de genre érotique avec le livre Bleu Nuit, une histoire de cinéphilie nocturne sous la direction d'Éric Falardeau et Simon Lapeyrière. Tel que l'indique son titre, c'est un livre qui parle de cinéma érotique vu à travers la lorgnette de
l'histoire de cette émission qui a fait les beaux jours du canal TQS pendant près de 20 ans. Alors, on commence d'abord et avant tout dans ce collectif par parler justement du monde télévisuel à la fin des années 80, début 90, dans lequel a commencé le célèbre canal TQS, qui a été très très populaire à une certaine époque. Et évidemment, pour mettre un peu le contexte dans lequel s'inscrivait cette émission, qui est devenue ni plus ni moins des émissions cultes, à laquelle, durant laquelle on présentait des films softcore érotiques, donc à tous les samedis soirs. Le cœur de cet ouvrage, et là où ça devient franchement intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'articles sur ce genre-là, ce genre plutôt oignon généralement, mais on le prend avec beaucoup de sérieux. Donc on l'étudie pour ses représentations, ses principales représentations et ses. Comment dire, donc ses éléments artistiques, il y en a. Donc. Il y a donc des entrevues également avec des actrices et des réalisateurs, des actrices comme Brigitte Lahaie, la grande actrice française de ce genre, avec des réalisateurs. On parle également de films très connus comme Black Emmanuel, qu'on remet d'ailleurs dans son contexte du genre Mondo, qui est un genre très italien, donc c'est fort intéressant sur l'histoire du cinéma italien. On parle également d'actrices comme Sylvia Christel, qui avait incarné la première incarnation de. Qui a fait la première incarnation sous le nom de Emmanuel, un film culte des années 70, de Laura Gamzer, qui, elle, a joué le rôle de Black Emmanuel, qui parlait d'autre chose. Il y a des critiques de films également, c'est vraiment très intéressant pour montrer de quelle manière on peut parler de ce cinéma-là, qui demeure malgré tout un genre très populaire, malgré le fait que personne n'en parle. Histoire de pimenter un peu le tout, on retrouve à l'intérieur de ce livre des petites historiettes écrites par divers auteurs et auteurs, également des illustrations faites par certains BDistes du Québec, comme Jimmy Beaulieu ou Caton, par exemple. C'est donc un livre fort, aussi divertissant qu'intéressant, sur un genre qu'on n'ose pas s'avouer finalement qui nous intrigue plus que ce qu'on prétend.